Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 31. Exercice numéro 31. Pour chacun des cas suivants, écrire la fonction f sous forme de composé de deux fonctions usuelles. Premièrement, f de x est égal à la racine carrée de x carré plus 2. On a le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x au carré plus 2 supérieur ou égal à 0. Et puisque quel que soit x appartient à R, on a x au carré plus 2 supérieur strictement à 0, donc le domaine de définition de f c'est R. On va supposer soit les fonctions i et j telles que i de x est égal à x au carré plus 2 et j de x est égal à racine carrée de x. On a le domaine de définition de i, c'est R. Et le domaine de définition de J, c'est R+. Je vais faire le composé. C'est I, X pour image par I, X au carré plus 2, qui est égal à I de X. Et I pour image par J, la racine carrée de X au carré plus 1, plus 2. Et voilà, ça c'est J rend I. On a le domaine de définition de J rend I. C'est égal à X appartient à R. Tel que X appartient à D de I. Et I de X appartient à D de J. Qui est égal à l'ensemble des réels tels que x appartient à dI, ce qui est R, et x au carré plus 2 appartient à R plus. Et ça c'est vrai, donc c'est R. Or, donc, conclusion. On a le domaine de définition de J rend I est égal au domaine de définition de F est égal à R. Et quel que soit x appartient à le domaine de définition de f, on a f de x qui est égal à j rend i de x. Donc l'application f, la fonction f est égale à la fonction j rend i. La deuxième question. Deuxièmement, f de x est égal à 2x plus 1 au carré. Alors, le domaine de définition de f, c'est R. Et soit, les fonctions i et j telles que I de x est égal à 2x plus 1 et j de x est égal à x au carré. On a le domaine de définition de i, c'est R, et le domaine de définition de j, c'est R aussi. Je vais faire la composée x pour image par i 2x plus 1 et 2x plus 1 A pour image par J, 2x plus 1 au carré. Et ça, c'est J rend I. Or, on a le domaine de définition de J rend I. C'est que l'ensemble des x appartient à R, tel que x appartient au domaine de définition de I, et I de x appartient au domaine de définition de J. Qui est égal à x appartient à R,
c'est que x appartient à DI, l'ensemble de définition de CR, et ilx et 2x plus 1 appartient à R, bien sûr, hein, CR. Conclusion. Oh non. Le domaine de définition de Girond I est égal au domaine de définition de F, CR. Et quel que soit x appartient au domaine de définition de F, on a Girond I, l'x, est égal à F, l'x, qui est égal à 2x plus 1 au carré. Donc, F est égal à Girond I. La troisième question. F x est égal à 2 racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de x moins 2. Alors, le domaine de définition de F, c'est l'ensemble des réels tels que x supérieur ou égal à 0 et racine carrée de x différent de 2. C'est-à-dire x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 0 et x différent de 4. C'est-à-dire c'est égal à l'intervalle 0, 4 ouvert du côté 4 et 4 plus l'infini. Bon, soit les fonctions i et j telles que il est x tel que il est x est égal 2x plus 3 sur x moins 2 et j x est égal à la racine carrée d'x. Alors on a le domaine de définition de i, c'est r moins 2, et le domaine de définition de j, c'est r plus. Je fais la composée, x pour image par j, j de x qui est égal à la racine carrée de x, et la racine carrée de x a pour image par l'application i, 2 la racine carrée de x plus 3, sur la racine carrée de x moins 2. Et ça c'est i rond j. Alors, le domaine de définition maintenant de i rond j est égal à l'ensemble des réels tels que x appartient au domaine de définition de j et j de x appartient au domaine de définition de i. C'est l'ensemble des réels tels que x appartient au domaine de définition de j, ça veut dire x supérieur ou égal à 0. Et j de x, c'est-à-dire la racine carrée de x, appartient au domaine défini de i, c'est racine carrée de x différente de 2. C'est égal, x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 0, et x différent de 4, qui est égal à l'intervalle 0, 4, ouvert du côté 4, union 4 plus l'infini. Conclusion. On a domaine de définition de I rond J, c'est égal à domaine de définition de F, est égal à 0, 4, union 4 plus l'infini. Et on a, quel que soit x appartient au domaine de définition de F, on a I rond J de x est égal à F de x, qui est égal à 2 racine carrée de x plus 3 sur racine carrée de x moins 2. Donc, F est égal à I rond J. Je passe à la quatrième question. Quatrième question, c'est f de x est égal 3x moins 2 sur x plus 1 au carré. Alors, domaine de définition de f, c'est l'ensemble des réels tel que x différent de moins 1, c'est-à-dire c'est r moins moins 1. Soit les fonctions
I et J tel que Ix est égal à 3x moins 2 sur x plus 1. Et Gx est égal à x au carré. On a le domaine de définition de I. C'est R moins moins 1. Et le domaine de définition de J, c'est ensemble R. Je vais faire là, composé de ces deux fonctions. Je commence par I. Ix est égal à 3x moins 2 sur x plus 1. Et l'image de 3x moins 2 sur x plus 1 par j, c'est 3x moins 2 sur x plus 1 au carré. Et ça, c'est j rend i. Or, on a le domaine de définition de j rend i égal l'ensemble des réels tels que x appartient au domaine de définition de i et ix appartient au domaine de définition de j. Qui est égal x appartient à R tel que domaine de définition de I c'est ça doit être x doit être différent de moins 1 et ix c'est à dire 3x moins 2 sur x moins 1 appartient à R pour que 3x moins 2 sur x moins 1 appartient à R il faut que x doit être différent aussi encore de moins 1. Donc le domaine de définition de J rend I, c'est R moins moins 1. Alors on a, conclusion, on a le domaine de définition de J rend I est égal au domaine de définition de F, qui est égal à R moins moins 1. Et quel que soit X appartient au domaine de définition de F, on a J rend I X qui est 3x moins 2 sur x moins 1 au carré est égal à f de x qui est égal à 3x moins 2 sur x plus 1 le tout au carré. Donc on a j rend i est égal à f. Je passe à la cinquième question. Cinquième question. F de x est égal à 1 sur 1 plus sin x. Alors, le domaine de définition de f est égal. L'ensemble des x appartient à R tel que 1 plus sin x différent de 0, qui est égal x appartient à R tel que sin x différent de moins 1, qui est égal à l'ensemble des réels tels que x différent de moins pi sur 2 plus k de pi avec k appartient à z. Donc c'est l'ensemble de définition, c'est r moins moins pi sur 2 plus k fois 2 pi avec k appartient à l'ensemble z. Alors, soit les fonctions I et J tel que I x est égal sin x et J x est égal 1 sur 1 plus x. On a le domaine de définition de I c'est R et le domaine de définition de J c'est R moins moins 1. Je vais la composer. X a pour image par I sin x qui est égal à Ix et Ix a pour image par J c'est 1 sur 1 plus sin x et ça c'est J rend I. Je cherche le domaine de définition de J rend I. C'est l'ensemble des réels tels que x appartient à d de i et ix appartient à d de j.
c'est-à-dire x appartient à l'ensemble des réels tels que x appartient à dli, dli c'est r, et sinus x différent de moins 1. Sinus x différent de moins 1, c'est égal à x appartient à l'ensemble des nombres des réels tels que x différent de moins pi sur 2 plus k fois 2 pi avec k appartient à z. C'est l'ensemble r moins moins pi sur 2 plus k de pi avec k appartient à z. Conclusion. On a le domaine de définition de girons I. C'est égal au domaine de définition de F est égal à R moins moins pi sur 2 plus K de pi avec K appartient à Z. Et quel que soit X appartient à DLF, on a girons I l'X est égal à F l'X est égal à 1 sur 1 plus sinus x. Donc, girons I est égal à F. La dernière question, sixièmement, F x est égal à la racine carrée de x sur x plus 1. Alors, le domaine de définition de F est égal à x appartient à R tel que x plus 1 différent de 0 et x sur x plus 1 supérieur ou égal à 0. Qui est égal? Je vais faire un tableau de signes de x sur x plus 1. Ça c'est x, x plus 1 et x sur x plus 1. Moins l'infini plus l'infini. Ici, moins 1, c'est 0. 0 ici, c'est plus, c'est moins. Ici, 0 ici, c'est plus, ici, c'est moins. Voilà. Et plus, moins et plus. Ça veut dire que, domaine de définition de F, c'est moins l'infini, moins 1, ouvert, union 0 plus l'infini. Alors, soit les fonctions I et J tels que Ilx est égal tel que Ilx est égal à x sur x plus 1 et Jx égale la racine carrée de x. Alors on a le domaine de définition de I c'est R moins moins 1. Et dans ma définition de J, c'est R+. Je fais la composée maintenant. X a pour image par I. Ilx qui est égal à X sur X plus 1. Et l'image par J de X sur X plus 1, c'est la racine carrée de X sur X plus 1. Et voilà ici, c'est J rend I. Je cherche le domaine de définition de J rend I. C'est égal à X appartient à R, tel que X appartient au domaine de définition de I et Ilx appartient au domaine de définition de J. Est égal à X appartient à R, tel que X appartient au domaine de définition de I, ça veut dire que X est différent de moins 1. Et Ilx qui est il est x, qui est x sur x plus 1, doit appartenir à dlj appartient à r plus, qui est égal, bien sûr, le même tableau de signes de x sur x plus 1, on va trouver, bien sûr, c'est moins l'infini, moins 1, ouvert, union 0 fermé, plus l'infini. Conclusion, on a
domaine de définition de J rang I, c'est égal au domaine de définition de F, c'est égal à moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Et quel que soit X appartient à DDF, on a J rang I, l'X, est égal à F, l'X, est égal à la racine carrée de X sur X plus 1. Donc on a bien J rang I, c'est égal à F. Voilà pour l'exercice numéro 31. لا تنسى الاشتراك في قناتكم فانك خليمات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا.